Je leur donnerai le conseil d'avoir un rapport à leur recherche qui soit un rapport à la fois de théorie et de pratique. Et je crois que d'ailleurs, c'est un sens de la philosophie qui est particulièrement important aujourd'hui, dans lequel tous les courants vraiment des éthiques et des politiques du care, un certain nombre aussi de chercheurs qui ont travaillé sur la vulnérabilité, sur le prendre soin, toutes ces personnes-là, je crois, ont le souci de déployer un horizon de la philosophie qui soit un horizon qui mêle précisément la théorie et la pratique, et de déployer une philosophie qui soit à la fois une philosophie armée du côté de ses concepts, mais armée aussi justement dans son rapport au terrain et dans l'idée de pouvoir formaliser philosophiquement ce que l'on peut saisir aussi sur le terrain, que ce soit l'hôpital, que ce soit le milieu associatif, que ce soit des conduites éthiques spécifiques, et on pourrait donner bien d'autres exemples. Donc, une nouvelle philosophie, aller dans le sens de la pensée et de la pratique d'une nouvelle philosophie qui, je crois, est largement en train de surgir.